Commandant Guy Philippe fait peur au peuple haïtien. Gary Conille avec tout CPT Koulev 7 tête Genève en famille et alliés qui occupait Palais National avec Primature Lan, paniqué. Déjà gagné un pile problème. Et avec dernière déclaration que commandant Guy Philippe fait, côté qu'elle demande moun dans le département l'Ouest spécialement pour que yo prenne responsabilité yo. La jeunesse haïtienne dans le département l'Ouest prend engagement nous parce que bataille faut que nous fassions et ces dernières phases combat pour que nous libérions Haïti nous. Et bien déclaration ça fait peur. N'a pas plein que dans le mois de février que Ariel Henry était gonflé col à l'étranger après le film manger avec Zamil Ariel comment le patron lui était gonflé pour être dit comme ça que la promette pouvoir en 2026. Et bien peuple haïtien tu prends engagement. Et bien c'est là que tu as saisi même nèg qui était armé dans pays pour te kidnapper pour te tuer pour te violer détruire peuple haïtien. C'est garder nèg ça te virer Joel Zamnoa sous yo et c'est nèg ça qui te fait Ariel Henry camp à distance et patron Ariel te tout kembe Ariel côté au kembe lan. Et bien nèg qui au pouvoir ça yo là. Donc Gary Conille, li peur pour que nèg armé yo pas tout profiter le peuple ça pral prend la rue pour demander de pour déchouquer criminel ça au pouvoir. Gary Conille avec toutes ses pété coulev ses têtes Genève en famille alliée yo peur pour que nèg armé yo pas tout mener yo mouvement en parallèle qui ka déboucher son révolution sanglant pour libération pays ça parce que gang asapat yo yo tellement gè l'argent dans yo. Yo envie tra son exemple pour regarder comment yo t'va joindre yon ti considération dans mes peuples ça que yo kidnappé que yo tué que yo violé. Nous même nous dit pour libération pays ça pour libération peuple ça quelle que soit façon de libérer n'a libéré parce que ça que nous décidé pour faire nous vivre là monsieur dame c'est pas sérieux ça. Et toujours dit bataille pays pas contre facile bataille pays pas contre facile. Engageons nos combats pour libération yon pays tant qu'Haïti, c'est dit que ou décidez pour mourir pour Haïti. Engageons nos combats pour libération pays d'Haïti, c'est dit que ou prêt pour prendre prison pour Haïti. Engageons nos combats pour libération pays d'Haïti, c'est dit que ou pas peur. Ou pas peur rien dans la vie ou pour pays ça. Et toujours dit, nous même comme Haïtiens, si nous connaissons l'histoire, nous, pas rien sur la tête capable de faire nous peur. Le pays nous en difficulté. Et de fait, la peur commence à changer de camp. Guy Philippe annonçait la couleur. Même Jean que, jeune président de la transition dans le pays Burkina Faso, qui c'est jeune capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État dans le pays Burkina Faso. Même Jean toujours dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et bien, monsieur dit, et lui réitère pour le dire encore. Monsieur dit comme ça que, c'est pas une phrase, c'est pas un mot qu'on doit répéter, n'importe qui Jean. Mais son engagement, eh ben nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous dit liberté ou la mort, faut que le pays soit libéré. Liberté ou la mort. Ce soit nous vivre libre tant que moun, tant que peuple dominicain, ou bien nous pas exister du tout comme moun. Question quitter, un groupe haïtien, fait man dans le pays, décide c'est eux-mêmes qui fait complot pour prendre pouvoir, pour continuer dirigeant battable, pour voler, pour piller, pendant que madame yo, petit yo à l'étranger, nous dit que nous-mêmes, Abraham dit c'est assez. Quel que soit le prix à payer, nous prêts pour mourir pour payer sa libérer. Et m'a dit ça très bien. Commandant Guy Philippe lance libération, révolution pour libération pays d'Haïti 2024. Nous même nous dit révolution, mot pacifique là, li retenant bouche leader là, qui se commandant Guy Philippe parce que li pas obligé fusil blanc. Mais nous comme peuple souverain, nous connaît comme un bralfel parce que monsieur extrêmement violent et aussi des criminels de nos droits, nous pas camper, nous pas céder, nous pas bailler aux vagues. Bataille a lancé. Bataille lancée et cette deuxième phase combat. Pas de tête langue, pas de sentiment, pas de acheter figu. Après 38 l'année assassinat, 38 l'année crime, 38 l'année viol, 38 l'année vol, 38 l'année pillage, gagote dans l'État, 38 l'année que nous avons fait complot pour privatiser toutes les institutions étatiques, nous révolter. Parce que nous, ouais, clair. Après crime qui fait sous chef d'État, nous, oh monsieur, Jovenel Moïse, 6-7 juillet 2021, en vérité, mon Dieu, pour un coupé, pour un dialogue la coupé, pour une considération coupé, pour une tolérance la coupé, pour un sentiment coupé, soit ça, c'est révolution pour libération pays sacré. Nous pas dans tête langue, nous pas acheter figu. Qu'un bon pays, nos conditions pareilles. Nous pas dans volant mettre là. Nous faisons nous mettre quitter pays, monsieur. J'espère que nous pas dans casser caille, dans kidnapper moun. Nèg ou fè ou kite pays, nèg ou exilé haïtien, nèg ou déporté haïtien dans pa pays yo. Est-ce que nous sommes capables de continuer comme ça?
Premier problème Haïti, c'est la classe politique traditionnelle gang haïtien. Il faut que nous prêtions au doigt et libérer pays par rapport avec eux-mêmes. C'est que Fenex Ayo, regardez-nous, éradication totale capitale de la classe politique d'assassins. Pas perdre du temps avec eux. Parce que monsieur, vous avez une volonté réelle pour vous avoir en permanence dans ce que vous mettez là. Imaginons après 38 ans, tout politicien riche, oui. Tout politicien riche dans l'État, tout oligarque multimillionnaire, économie pays en améliore, mais ils n'ont pas décidé de céder, non. Au lieu de bon vague, ils ont plutôt tué le président Jovenel, oui. Est-ce qu'on a accepté Jean Bovag? Moi, je me dis non. Nous n'avons pas de tolérance, nous n'avons pas accepter tout le bagaille. Route que nous arrivons là, pas de tolérance. Ou pas accepter n'importe bagaille. Ça cause moi dit Chalalou. Chalalou, faut que c'est nous qui pour assumer responsabilité. Malheureusement, nous passons en bas, nous pas en chanteur. Mais si nous avons une voix normale, nous tapons chanter pour nous dire Jésus, oh, mais Chayla. Papa, oh, mais Chayla. Le ciel, oh, mais Chayla. Chayla, lou, sa kapé den potel. Nous pas gen maman qui pou aider potel. Nous pas gen papa qui pou aider potel. Nous pas gen zami qui pou aider potel. Nous pas gen allié qui pou aider potel. Jésus oh, mais Chayla. Le ciel oh, mais Chayla. Le ciel oh, mais Chayla. Di Chayla lou sa kapé den potel. Yo tué président nous en bas yon la. Yo tué maître Doval en bas yon la. Yo tué bâtonnier nous en bas yon la. Yo tué Eric Jean-Baptiste en bas yon la. Yo kidnappé diaspora nous en bas yon la. Yo détruit pays a en bas yon la. Yo bâti jeune yo zam en bas yon la. Jésus oh, ça capé den potil. Bah chanteur non, mais désolé. Écoutez bien. N'a vive une situation qui est extrêmement compliquée comme peuple. Est-ce qu'on est capable de vivre plus loin? Ça n'a pas vivre là. C'est responsabilité de chaque gagne dans nous. Nous-mêmes comme haïtiens, ou même comme jeunes garçons, surtout, qui n'ont 20 ans, qui n'ont 30 ans, même j'avais. Mais écoutez bien, assumez responsabilité, monsieur. Nous ne pouvons pas voler, mettre là. Nous ne pouvons pas courir toute la journée pour voler. Nous avons un kidnapping, monsieur. Ce n'est pas possible. Nous contrôlons les DCPJ. Nous contrôlons la justice. Nous contrôlons tout texte, tout ça qui est dans le pays net. Puis nous mettez comme si nous avions en face nous comme peuple. Yo prend propre l'état ou fait goumer avant comme peuple. L'état pays ou a détruit ou. Yo prend pays en otage. Yo prend toute institution étatique yo. Yo concentré yo, yo fait yo, mette yo au service yo en détruisant de nous-mêmes. Est-ce que nous pas mérité faire une révolution? Moi dis oui, nous méritons faire une révolution pour libération pays ça. Quel que soit les prix à payer, n'a fait bataille là. Et je dis encore une fois m'abdil. Dans toute bataille, dans toute révolution, dans tout gros groupe pour libérer son pays, toujours gagner yon leader. Yon leader qui gagne des hommes et des femmes conséquents, qui compétents, qui gagne capacité, qui ont capacité de réflexion enragée, qui a produit des réflexions à la seconde. Et bien, Mabdou, ça très bien. Grand leader que nous gagnons avec une équipe solidaire, l'irlé Guy Philippe. Et doué assumer responsabilité ou. Mettez tout bien sous épaule ou. Pas quitter personne moun ap vin attaquer ou. Chaque côté passé ou doit parler de green leader qu'on gagne. Et chaque bataille qui fait qui réussit, c'est un leader que toute nation campé derrière. M'a dit nous campé derrière Guy Philippe. Assumer responsabilité derrière Guy Philippe parce que ça ko est là. Pas que l'autre monde qui ka retirer la dedans, c'est seule équipe ça qui ka retirer la dedans. Déjà, nous ancien sénateur Jacques Sauvé Jean dit que lien pour parler avec leader nous qui c'est Guy Philippe. Et l'assumer responsabilité, Jacques Sauvé Jean nous connaît que son patriote. Ou ka peut-être des fois, il y a des problèmes. Mais écoutez, c'est lui-même, lui c'est moun. Lui-même, tout le cas qui est bon ensemble. Mais quelque part, lui est ton haïtien et ou elle remet Haïti. Guy Philippe commence à parler avec plusieurs autres moun dans la société. Guy Philippe ouvert des bras pour parler avec tout le monde. Et m'dil, pour qu'elle prenne téléphone ni, pour le contacter Pasteur Moïse pour nous. Contacter Madame Oudine Pierre. Contacter Professeur Soukar. Contacter commissaire Muscadet, contacter tout à l'heure ses conséquents et Dozeni pour nous parler, pour nous concerter entre nous, pour nous garder comment nous avons fait commun pour Haïti. Contacter Wyclef Jean, entendre-nous, contacter des Haïtiens dans la diaspora, prendre responsabilité de nous, chaque leader, par exemple, leader que nous avons dans la communauté haïtienne, dans Floride, par exemple, Miami, ou bien Floride en général, tout state aux États-Unis, ok?
Canada en général, la République dominicaine, nous cherchons des haïtiens conséquents qui pour prendre revendication masse peuple en Dominicaine et que l'immigration a détruit pour nous faire passer. Parce que bataille ça nous est là, c'est bataille pour nous rapatrier souveraineté nous comme peuple. Son bataille pour que nous menions Haïti sous rail changement et pour nous laver escamp figu pays. Parce que Haïti que nous gagnons, faut que nous tournons avec. Parce que je toujours dis, pas qu'il y a un pays sous la terre qui sorti dans une situation difficile que c'est étranger qui nous retire. Non. C'est toujours petit li qui brave danger yo, qui pas peur mourir, qui pas peur touye criminel tout pour libération pays yo. Et bien dans ce sens, ça me vient dire nous, pas que étranger qui vient de ranger pays yo. Oui, étranger qui vient assister ou qui ranger pays yo. C'est normal. Parce qu'on vit dans un monde ou pas vivre en vase clos. Ou on vit dans un temps côté que tout le monde a des yeux sur vous et vous avez des voisins. De fait, vous faites pour que vous comportez. Mais la caillou, le la caillou sale. Ou a propre la caillou, moun pa ka vin di ou pa propre la caillou. Et ta la caillou est là. Étranger pa ka di nou pa propre la caillou. Eh bien la caillou sal sa kfel sal. Se politicien volé, kidnappé, assassin, gang, terroriste, gang criminel qui fait la caillou sal. Eh bien moi di que nous devons assumer responsabilité pour nous propre en de la caillou. La caillou c'est la caillou. Pa gen tatou la caillou la caillou. Et c'est seul petit la caillou qui ka propre la caillou. Dans ce sens, ça me dit que Guy Philippe lance l nan yon bataille. Monsieur dame! Route que Guy Philippe fait, là, avec deuxième phase, bataille, pas de possibilité pour que vous-même comme peuple souverain, pour pas libérer. Pas de route pas bois. Pas de passer par quatre chemins. Tout le monde est clair. Moi, je prends ça, pour m'entendre. Alors, déjà dit nous, Guy Philippe a quitté le pays pour tout bon. Guy Philippe a pris ni dans le continent africain. Et Guy Philippe, je le dis là, il a déjà gagné. Invitation officielle. L'amène pour la rencontrer à un chef d'État plus puissant en Afrique. Yon nan moun ka fait parler de lui et que moun la commence à respecter. Yon nan moun qui prend responsabilité, qui prend engagement. Eh bien, peuple haïtien, bataille pour l'autre dimension. Et m'a dit ça très bien. Ou même comme jeune garçon qui vive comme haïtien, ou qui pour devoir assumer responsabilité ou prend la ouïe. Prend la ouïe parce que face bataille ça, ce n'est pas moun qui va le faire pour vous, mais c'est vous-même qui va le faire pour tout. Face combat ça, pas qui pas venir qui ton leader qui vient dire oui, jouer ceci, jouer cela, craser boulet, là où ça vient de nous. Non, pas tant de paroles ça. Ou prend béton dans l'idée pour éradiquer classe politique criminelle d'assassins, femmes et d'hommes ça. OK? Bon théoriste ça, bon gang de salon, bon esclave de salon ça. C'est yo qui véritable cancer là. Premier engagement, c'est qu'on fixation, l'humain projecteur nous, sous classe politique criminelle d'assassins vicieux, volé ça, qui couronne quoi on n'a pas de presse là. Dernier coup qui pour tuer coucou, et que c'est intelligence que. Alors, moi-même tout d'abord, encore une fois, ma félicité, leader charismatique là, chef révolution, qui c'est commandant Guy Philippe. Ma félicité, monsieur, pour intelligence li. Parce que après yon temps silence et yon temps d'observation que commandant Guy Philippe a fait sur équipe criminelle ça qui te volé pouvoir peuple en bata blanc de complicité avec colon blanc qui toujours a détruit nous yo, Guy Philippe dit qu'il pral lancer deuxième phase bataille mais cap vraiment structuré et là ça tout pays après prendre l'appel et de fait révolution a touché sexe communal qui pile loin en dedans pays a. Et on attendait même dans bouche Simon, c'est Guy Philippe qui a répété. Bravo leader. Guy Philippe voit que la République de Port-au-Prince son capital que politiciens traditionnels kidnappeurs yo prend en otage. Pour te sécuriser tête yo, yo te ba zam tout partout dans Port-au-Prince là, pour te faire gang yo ceinture Port-au-Prince là. De fait je dis gang yo quelque part fâché avec Mathieu. Guy Philippe ou Port-au-Prince là enclavé. Le plus gros bataille qui pour fête là, c'est dans Port-au-Prince. De fait, il y a une fixation sur Port-au-Prince. Elle fait appel avec tout le monde Port-au-Prince pour yo assumer responsabilité yo. Dans cadre d'un dernier combat pour libérer pays. Combat ça, n'est pas facile. Mais c'est nous qui doit faire. Pas de personne
qui vient faire pour nous. Je t'ai dit qu'il y a une chaîne de mobilisation qui annonce dans Port-au-Prince, monsieur qui déjà démarré. Vrai mobilisation, nous, son soulèvement général de manière sauvage qui va le marché prend la classe politique traditionnelle d'hommes et femmes gang ça qui prend Port-au-Prince, qui prend pays en otage là. Et mais Guy Philippe, que c'est Port-au-Prince qui prend tout pays d'Haïti en otage. Et bien, dans ce sens, Guy Philippe m'a dit peuple Port-au-Prince là, assumez responsabilité nous. Guy Philippe m'a dit peuple voyant dans l'Ouest là, pour que yo levé campé. Eh bien, moun dans l'Ouest, yo assumé responsabilité yo. Nan niveau moi yo mobilisé là, nous pas prend temps pour kaout la cuite. Nous t'a misé dans route. Mais nous sur route pour nous porter bonne nouvelle. Message Guy Philippe là, peuple a recevoir. Et peuple a décidé pour lancer yo dans deuxième phase révolution pour libération pays ça. Et je ne te dis, révolution pas qu'on fait dans tête langue. Pacifique là n'a quitté pour l'idée. Et nous même la planse révolution maman Pemba Ronald Chéri. Révolution tout partout. Yo mêlé. Révolution pas manifestation. Révolution pas fête nan crié dan. Révolution c'est marcher prend garçon. On prend exemple cérémonie bois caïman. Révolution pas fête seul pangensan. Révolution c'est sa manchette bâton. Révolution v'lè di marcher prend yo. Système baisé sous c'est sa fond démasqué yo. Peuple a déjà bon oui. Révolution, moi comment c'est. Population nan si, population nan non. Levé campé, bouche en bouche yon di l'autre. Révolution, moi comment c'est. L'Est, l'Ouest, on allait. Paysan déjà bon. Les arrivés. Mais ça va aller. Bataille pays a c'est nous lié. La patrie en danger. Révolution, on commence. Police nationale. Philippe, la médaille ici en allée devant ce pays, assez nous lié. La patrie en danger, n'a qu'un peuple là pour le camper. Peuple ici en allée, Haïti c'est pour nous lier. Continuez mobiliser jusqu'à ce qu'il nous déchouque. Guy Philippe défend, peuple là derrière, nous faire 2004, allez voir 2024. Guy Philippe défend, peuple là derrière, nous pas marcher prend. Révolution pour Haïti libéré. C'est révolution tout pays à monter. Révolution pour Haïti libéré. Révolution pour nous jouer sécurité. Pour diaspora yo ka rentré. Yo, vite tourner la caille. Ça nous dit. Nous voulons révolution. Bah nous révolution. Nous pour révolution. Bah nous révolution. Nous voulons révolution. Bonne révolution pour ça changer. Voilà, Ronald Chéri, révolution pour libération pays d'Haïti 2024. Peuple haïtien, jeudi, c'est dimanche 11 août 2024. Moi, content pour que moi, ensemble avec nous, sur plateforme Maman Pemba, plateforme Pay Poté, plateforme Guy Papa Chaland, plateforme Capdil Genier, qui c'est plateforme YouTube InfoBetoa. Dans l'idée, pour nous continuer avec bataille ça, nous quoi que nous obligés de rentrer, descendre, alors retourner dans la racine nous. Pour nous chercher moun qui semblent, moun qui zamine, moun qui remène, que yote fen konne qui te raïne. Commandant Guy Philippe qui pour mettre tête dans le continent africain quelque dans quel alors dans tant que pour venir yo quel que soit le prix à payer et me toujours dit pas gain sacrifice qui trop grand pour Haïti pas gain pays qui ennemi nous pas gain peuple qui ennemi nous mais nous même quelque part
nous avons droit pour que nous assumions responsabilité pour payer nous pour payer nous pour peuple nous fonctionner tant que tout peuple tant que tout pays sur la terre. La Dominicanie qui colle la veine a fait grand pas nous pareil yo nous doit remer yo pour effort yo nous doit apprécier yo pas bravo pour yo pour effort yo. Mais dans pays nous pour qui ça nous état ça? Ça qui fait nous état ça? Si nous état ça c'est parce que nous pas gen moun qui prête le pays ça. Mais faut que nous assumer responsabilité nous pour nous gen moun qui met pied à terre qui nous mène au combat pour mener Haïti à bon port. À bon port. Guy Philippe décide de faire bataille ça. Eh bien, nous cherchons tout côté gon zami qui voyait une intervention des jeunes garçons ça qui actuellement là qui a peine bralgué 36 l'année. C'est un capitaine dans l'armée Burkina Faso. Non, c'est Ibrahim Traoré. C'est jeune président de la transition Burkina Faso. C'est un coup d'état militaire qui t'est fait contre un gouvernement élu. Un militaire te prend pouvoir. Le militaire en prend pouvoir. Eh bien, capitaine Ibrahim Traoré, regardez le monsieur. Il était dans le camp, monsieur, oui. Il regardait le monsieur. Puis il reste avec Pichoul. Que Tchoul, que monsieur te combat au pouvoir. Capitaine Ibrahim Traoré dit que ce n'est pas pour ça nous te bataille. Nous te bataille pour nous prendre pouvoir, pour nous mettre l'État au service peuple, pour que peuple ça capable sentir que tu as des gens dans le pays qui prêt pour bataille pour lui. Ibrahim Traoré, tes jeunes support, tout reste troupe là. Il te fait un coup d'État, sous Poutchis qui te fait un coup d'État, il prend pouvoir. Depuis là, ça, depuis 2022, monsieur décidé pour le fond bataille. Yon révolution. Révolution ça, monsieur décidé dit clairement. Si nous avons des pays qui sont amis nous, qui n'ont pas payé nous, qui ont exploité nous plus passé 50 l'année, qui dit qu'il y a pédé nous, terroriste a fini avec nous, y a kidnappé, y a violé nous, y a détruit nous, monsieur dit, on fout une expérience pour vous parler, sans yo. Monsieur mandé yo pour retirer quoi yo? Monsieur retire la force de pays ya. Monsieur retire la force de pays ya. Retire Burkina Faso, en bas domination, la France. Mais pas oublié. Bataille, ça a commencé. Dans Guinée-Conakry, avec colonel Mamadi Doumbouya. Bien que Mamadi Doumbouya vient perdre les lignes pour le moment, parce que vous sentez que vous avez le monsieur Lion Noir, le dragon noir. Mamadi Doumbouya, quelque part, gonfle une blanche dans mes lignes, monsieur Baïla Moula Priglé, bagay flâneur, courti bicyclette, et dans Guinée-Conakry, yo monsieur laisse bataille ça. Mais son pouvoir, monsieur a perdu tout ou tard. Il n'a pas perdu la travail coup d'état parce que militaire monsieur solide. Mais pas vraiment gagné yon révolution kap fait nan pays et Guinée-Conakry. Mamadi Doumbouya laisse tomber. Mais ouais que Burkina Faso bataille la fête, monsieur prend pouvoir au Mali avec jeune colonel Assimi Goïta, même combat jeune garçon tout. Oh, Niger qui gagne un général dans la mer qui s'est relé général Tchani, monsieur dit que li pa campé. Oh, général Tchani fessé. Yon reste avec ou qui te au pouvoir à terre, libre pouvoir. Tout relè parlant pile, Nations Unies parlant, monsieur Prabril. Kounya Niger, gen stabilité. Pays yon gen des réformes kap fait, révolution tête chargée en dedans, toute administration publique là. Eh bien, gon faisceau qui fait entre trois pays qui nan continent africain. Burkina Faso, Niger, Mali. Sénégal saute fel. Yon prend pouvoir à travers les élections, yon retire nan men yon tchoul qui te relè Macky Sall. Volé, vicieux, reste avec. Même j'avais volé dans le pays d'Haïti. Eh bien, vous voyez une petite vidéo pour moi. Côté que, jeune capitaine Ibrahim Traoré a parlé avec le peuple. Alors, je salue chaque gun dans nous, capitaine de Mkabgadem là, je dis. Tout d'abord, je vais demander nous, chaque gun qui là, nous, chaque qui là, écris un espace commentaire là pour nous. Vive président Guy Philippe. Écris un commentaire là. Pas de jette dans ça. Il n'y a pas de pouvoir, c'est prendre pour pouvoir. Liberté ou pas ben ça, c'est pour prendre liberté ou. Ma pande chaque gen nan nou écrit vive président Guy Philippe et puis justice pour président Jovenel Moïse et puis libération sans condition pour arabe là pour nous. Et trois bagay pour écrire dans commentaire là. Chaque gen moun ki trois bagay pour écrit. Avant de commencer. Chaque gen moun kap tande m kap kadon là, on écrit ça pour nous. Vive président Guy Philippe. Ça c'est un. Deux. Justice pour président Jovenel Moïse. Trois. Libération pour arabe là. Sans condition, chaque grand monde, on nous écrit ça dans l'espace commentaire pour nous t'en prie, s'il vous plaît.
on nous fait avec un pile sagesse et puis partager émission pour nous faciliter l'autre haïtien capable d'entendre émission ça ensemble avec nous. Nous prenons le temps de une intervention. Me saisi le capitaine Ibrahim Traoré qui n'a pas gardé sur écran fait avancer ça. Entendez monsieur Saldia et pour mémoire prendre responsabilité. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Oui! Paola, attendez, Paola, pour moi. Le président haïtien a essayé de changer quelque chose comme ça. Ils ont assassiné lui! Paola Louis, t'as bien? Monsieur arrive loin, parce que monsieur à Burkina Faso, et c'est loin nous. Monsieur prend exemple. Nous prenons tende avec un pile intérêt. Jeune capitaine Ibrahim Traoré. Président de la transition et chef de l'État et commandant chef de l'armée Burkinabéa. Je vais le parler. Et lui, il va regarder sur l'écran. Monsieur, bah, on t'y flash sur l'assassinat Jovenel Moïse. Bataille à la fèl. On avance. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. Ils prennent chaque fois des exemples. Allez. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Si vous trahissez, vous aurez des fins. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Chef de Moïse. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. Mm-hmm. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. Okay. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard. Vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Attendez, oui, pays. Attendez. Monsieur, son jeune garçon. Et ça que m'a dit ou même qui c'est jeune, même j'avais, ou bien pour devoir assumer responsabilité. Ou pareil personne, pareil pays, mais bataille pour pays. Ou d'accord, avec pareil personne, pareil dominicain, en ou raillé. Comportement dominicain comme si envers nous-mêmes, mais ça fait premier monde pour nous haïr, c'est dirigeant la caille nous qui fait que nous pas vivre la caille nous qui cause notre humiliation la caille voisin. Parce que si la caille nous était bon, me garantis ou t'as besoin toute femme dominicaine, t'as défilé la ville indienne dans le pays d'Haïti pour venir essayer de faire bagarre pour l'argent, problème c'est pour l'argent. Nous connaissons en bas sous ta balle on charge club dominicaine qui problème c'est pour l'argent, vendre quoi pour l'argent, c'est job dominicain. Nous-mêmes haïtiens, nous c'est des rudes travailleurs. Aller à l'école, quelque part, nous chercher travail, et puis nous créer des bagailles pour nous travailler, pour nous faire l'argent. Haïtien n'a pas de pratique bousin. Non, Haïtien n'a pas de pratique bousin. C'est Dominicain qui a de pratique bousin. C'est comme ça que lié, en beau créole. Ça veut dire que, il y a ceux qui n'ont pas l'extérieur pays, hein? c'est pas jouer américain, non, qui solutionne, non. C'est pas jouer français qui solutionne. C'est pas jouer canadien qui français qui solutionne. C'est pas jouer dominicain qui solutionne. Mais c'est viser qu'on se reste avec esclaves de salon qui décide de prendre pays en otage pour foutre détruire pays, hein? Au profit de l'impérialisme, quand nous sommes capables de parler, impérialisme là. Mais c'est conseil dans le pays d'Haïti que nous voulons la classe politique traditionnelle d'hommes criminels, femmes, ça yo, qui prend pays ça en Haïti, qui prend pays ça en otage là, pour nous foutre dégâts dans le pays. Capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas monsieur parler. N'attendez. Parce que monsieur, communique avec peuple en pile, et ça que m'a demandé commandant Guy Philippe, faut qu'il communique avec peuple en pile. Même si c'est de la gradance, réunis peuple en sous place publique, dans gros espace, côté terrain football, parle avec peuple. Mettez speaker, parle avec peuple. Et puis le monde entier attendait à regarder. Guy Philippe doit communiquer avec peuple de temps en temps.
Guy Philippe doit relayer sur toute plateforme média en ligne pour communiquer avec peuple de temps en temps. Parce que révolution, dans le temps que nous vivons, c'est communication d'abord. C'est comme ça que lié. Entendez, jeune capitaine Ibrahim Traoré, capable de l'impérialisme. Avec un peu d'intérêt. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient de manière voilée pour nous faire peur. Et puis, nous voyons aussi souvent certains jeunes essayer d'emboîter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire « telle personne a régné ainsi, il est à la CPI, telle personne a régné ainsi, il est en prison ». Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une phrase. C'est pas une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase. Très bien. Quand nous disons la patrie ou la mort, ce n'est pas une phrase. Mais son responsabilité, son engagement. On nous reprend parole ça. Parole la loup. Parole la important. Ainsi, il a la CPI. Telle personne n'a rien si il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase. Ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Ils ont fait peur sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse s'en sortir. » Allez, oui. Nous leur posons des questions à savoir pourquoi vous ne faites pas comme nous, pourquoi vous ne nous accompagnez pas. Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple « Nous nous excusons, nous avons été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. » Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Et je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous,
Je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Mm-hmm. Ça aboutit à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous, nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique. Et ça qui est important pour que nous connaissions, monsieur décide de mener un combat dans toute dimension. Il subit plusieurs tentatives d'assassinat. Mais il y a une équipe solide, il y a une armée solide et peuple très veillatif, très vigilant. Burkina Faso sous contrôle. Monsieur a traqué terroriste et monsieur a support la Chine, monsieur a support la Russie. Actuellement, là, côté ma parole volant. Ça pas gagné longtemps là. Ça peut être capable de gagner en 2 ou 3 semaines. Et monsieur se trouve recevoir l'aide de créance ambassadeur des États-Unis d'Amérique dans Burkina Faso. Et monsieur fait tout fond l'eau, près de 12 ambassades. Le jour même, monsieur font cérémonie officielle pour le recevoir tout. Et pas recevoir grain par grain comme Simdadou. Un seul coup. Nous planifions une seule date, nous recevons nous toutes têtes. Et c'est chef de l'État africain. Jeune capitaine Ibrahim Traoré et son réincarnation de Thomas Sankara. Et monsieur son garçon canson. En entendant monsieur avec un pile intérêt comme haïtien. Monsieur son frère africain. En avancé. Et pendant que nous avons continué, écrit un espace commentaire là. Bravo, commandant Ibrahim Traoré. Bravo, président. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. Et puis, nous avons demandé. Pour écrire vive président Guy Philippe pour nous, dans l'espace commentaire là. Vive Guy Philippe, justice pour président Jovenel Moïse, libération pour Arabe pour nous. Commentaire ça yo apprêté. Faut que nous écrions avec un peu d'intérêt. Tendez ça. Qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Du tout. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Oui, ou pas que de la peur. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Mais bah on l'a. Ça va de pair. Yon lâche, souvent lâche toujours traître. De pour lâche, ou ap traître tout. Ou pas de lâche. Famille zami plateforme YouTube et Foyato, est-ce que nous c'est lâche? On nous écrit non, nous pas lâche. Et nous pas jamais lâche. Parce que nous c'est petite Dessaline. Nous pas traite, nous pas jamais traite. Parce que nous sommes petit Jean-Jacques Dessalines, capitaine Ibrahim Traoré, un frère africain. Ils essaieront de nous faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Le Mumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous, nous soyons là aujourd'hui. Justement. Et c'est une technique de l'impérialisme, de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple
d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il est un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Biakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflay. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit, si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard, il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Attendez, oui, c'est une parmi nous-mêmes qui ont toujours utilisé, alors qui érigeait un véritable tuyau, un véritable reste avec, mais qui pouvait nous détruire. Nous avons gagné. Par exemple, Logan de Michel, ou doit éliminer. Ou Gounen El Kassi, ou doit éliminer. Parce que c'est majorité, nous devons prendre des décisions drastiques en faveur de la majorité. Nous devons prendre des décisions qui sont bonnes pour la majorité. Et ces décisions, nous prendre. Si nous ne prenons pas le bonheur, dans le temps pour nous prendre là, puis après le pétris, parce que quand nous prenons le grave en pile, quand nous avons très critique, parce que l'a extrêmement compliqué pour nous, là nous avons des voix ou des criminels, notre des gangs sales qui décident d'utiliser nos conditions pareilles, là nous n'avons pas qu'à têter langue. Nous n'avons pas qu'à acheter figuier. Ça qui a passé là, les plus que grave. Et ça que nous devons attendre, jeune capitaine Ibrahim Traoré, qui explique ça. Et c'est la même réalité pour nous-mêmes en Haïti. Ok? On avance, papa ici. Entendez, monsieur, jeune capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition dans le pays Burkina Faso, chef de l'État et commandant chef de l'armée Burkinabé. On avance. Je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. Et il y a ce phénomène qu'ils ont aussi utilisé depuis belle lurette et qu'ils continuent d'utiliser. Voyez-vous, certains individus, par exemple, se sont retrouvés dans d'autres pays et créé soi-disant un gouvernement parallèle au gouvernement du Mali. Vous avez entendu cette histoire. Ce n'est qu'une technique qui a existé dans le temps. Je vais vous prendre l'exemple de Ahmed Chalabi, l'Irak. Ce professeur de mathématiques qui a même été dans le gouvernement irakien a été récupéré par les impérialistes et il a formé ce semblant de gouvernement parallèle à l'Irak aux États-Unis. Et on l'a utilisé pour être donc le mouton de sacrifice. Parce que c'est à lui qu'on a dit de prononcer publiquement que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Et il l'a fait. Ils l'ont utilisé. Et cet alibi a été utilisé pour tuer des millions d'enfants en Irak et détruire l'Irak. Et vous savez quel a été le sort de Chalabi? Un soir, après une interview, dans l'interview, il disait même qu'il sait que la CIA est sur son dos,
Quelques heures après, il a été retrouvé mort dans son lit, mort de crise cardiaque. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. Mm-hmm. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Oh! Suivez mon regard. Vous comprenez de quoi je parle. Mm-hmm. Ça a toujours été comme ça. Très bien. Le troisième vice que je vous invite à vous départir, c'est l'incompétence. Ah, je reviens encore au mot du slammer qui a marché sur ma langue. L'incompétence, vous comprendrez de quoi il s'agit. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Mm-hmm. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Justement. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Justement. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Non. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. C'est vrai. Les incompétents sont dangereux. Extrêmement dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. Il paraît un monde. C'est vrai. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance et travaillez. Travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes, il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, ce que moi j'appelle du n'importe quoi, il a des millions de vues. Justement, comme disait le jeune slammer, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien. Mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormi, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. Mm-hmm. C'est soi-disant démocrate, mm-hmm. mais regardez le monde. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? Whoa. C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Justement.
ça ne s'impose pas. Mm-hmm. Ceux-là qui se disent démocrates, mais ça, regarde. Est-ce qu'on attendait avec un pile intérêt? Est-ce qu'on attendait même j'avais? Mais l'autre avec Zorin m'attendait ya. Je m'attendais là. Je l'ai sonné. Ouais, monsieur, ça que m'a dit. La nature qu'on j'en qu'elle fonctionnait. Plus de 30 ans après assassinat, père de la révolution, Burkina Faso, Thomas Sankara, Ibrahim Traoré paraît de la façon de paraître là. Monsieur fait trembler les esclaves de salon africain. Il y a Tchoul qui l'a depuis des années. Et Konze reste avec Tchoul qui t'a tué Thomas Sankara pour te faire plaisir avec soi-disant pays ami. Il y aurait les monsieur réincarnation de Thomas Sankara. Dans un sommet des chefs d'État africains qui étaient fait dans le pays là aussi, monsieur te fait trembler président Vladimir Poutine et tout le monde t'a parlé well. Jean que Vladimir Poutine te gon fixation sur monsieur et même dans photo qu'a fait yo où Poutine a déplacé après le saluer monsieur spécialement et mandé monsieur tête à tête par la suite. Ou doit un caractère comme monde. Ou doit un caractère. Ou son homme d'État ou doué assumer responsabilité ou un caractère d'homme d'État. Gros président là aussi. Mais président pas écrit de gens, non? Je suis président Burkina Faso. Poutine ou monsieur qui a un caractère comme monde. Le monsieur qui a quand son entaille, elle décide de supporter monsieur. Et supporter peuple burkinabé. En avance. Nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées. On a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants. Mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Bon problème. Si c'est ça la démocratie, mm-hmm. je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Et quand vous voyez souvent les incompétents, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la signification du mot démocratie en réalité. Ils s'accrochent juste à la définition qui lui a donné l'impérialisme et ils se mettent à parler de démocratie sans réellement connaître le fondement. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous le voulons en Afrique. Les incompétents se cachent derrière les libertés. Retenez une chose, il n'y a pas de liberté individuelle qui existe. C'est un fait. Vous pensez vraiment que chacun est libre ? La liberté est collective. Tant que nous vivons dans une société avec des règles, la liberté est collective. Très bien. Parce que si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas vivre dans la société. Si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre de vous répondre comme il veut. Ça sera du désordre. Si vous êtes libre de rouler dans la rue et de passer le feu rouge comme vous voulez, l'autre est libre de passer aussi et de vous cogner. C'est vrai. Il y a des désordres, il y a un accident quelque part. Que si la liberté individuelle prend le dessus, nous sommes dans une société de désordre. C'est clair. Voilà pourquoi il y a des règles dans la société. Et les règles, tout le monde doit les respecter. Et là, on parle de liberté collective. Donc, certains se donnent le droit de parler de leur liberté individuelle à eux, mais ne tenant pas compte des autres. Je pense que ça fait partie aussi de l'incompétence, parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Ils s'arrogent les droits que peut-être les États les ont donnés pour sévir, pour faire tout pour eux, en négligeant les libertés des autres. Non, la liberté est collective. Avant de poser un acte, on pense à la liberté d'autrui.
et nous ne devons pas transcender la liberté des autres. Donc ça fait qu'on doit avoir de la réserve. Et une fois qu'on a de la réserve, la liberté individuelle n'existe pas. La liberté est collective. Et nous devons avoir cette culture de liberté collective. Cherchons donc la connaissance, lisons, interrogeons l'histoire. Ne lisez pas l'histoire que eux ils ont écrit en leur faveur. Cherchez la connaissance à travers plusieurs sources et vous comprendrez dans l'histoire qui s'est battu pour l'Afrique, comment nous devons nous battre pour continuer cette lutte de nos devanciers. Et je ne terminerai pas mes propos sans faire un coup de gueule encore au volet de la communication. Parce que, comme je le dis, c'est l'arme fatale de l'impérialisme. L'impérialisme. Et vous, jeunes, vous devez tout faire pour savoir distinguer le vrai du faux. Nous continuerons à démonter les mensonges des médias impérialistes qui essaient de toujours créer des soucis en Afrique. Parce que ces médias, par leur bouche, ils peuvent vous rendre un roi demain. Par leur bouche, ils peuvent vous faire quitter de votre position de roi et vous rendre un piètre esclave demain. Faites attention. Je suivais une émission, malheureusement, il n'y a pas longtemps, burkinabé, où un jeune journaliste a sorti une phrase qui m'a laissé un peu perplexe. Il parlait de la Corée du Nord. Et le journaliste a dit, mais il meurt de faim en Corée du Nord. A-t-il pris le soin d'aller en Corée du Nord enquêter pour voir vraiment s'il meurt de faim? Jamais. L'idée que les médias impérialistes ont vendu de la Corée du Nord est plus développée que beaucoup de pays européens. C'est vrai, c'est vrai. Et parce que ces médias nous disent, la Corée du Nord c'est la dictature, les gens meurent de faim, ils sont pauvres, ils n'ont rien, on prend ça ainsi. Mais la Corée du Nord est une puissance nucléaire, comment est-ce qu'ils ont fait? Faisons attention à la communication. Il ne faut pas suivre de manière aveugle ces médias menteurs qui ne cherchent qu'à diviser l'Afrique. C'est logique, ils se battent pour les intérêts de leur peuple. Et l'intérêt de leur peuple, c'est que l'Afrique soit divisée. Alors, jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique, il faut qu'on s'unisse. Justement, peut-être ensemble. La lâcheté, il faut bannir l'incompétence, il faut bannir la traîtrise et tous les vices dans nos sociétés. Justement, clair. Nous avons des occasions de nous parler. On rend grâce à Dieu de ces occasions que nous avons chaque fois de nous parler. Justement. De nous conscientiser et je vous invite à répartir. Dis mon Dieu merci pour ça. À se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons, autosuffisant alimentairement, soit une réalité. Pour que l'Afrique que nous voulons pour un développement harmonieux soit une réalité. Parce que je reviens sur votre thème. Il n'y a pas de paix et de sécurité sans développement. Les deux vont de pair. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de sécurité. Parce que s'il n'y a pas de développement, la jeunesse va forcément se retrouver dans les vices. Et il n'y aura c'est pas vrai. De sécurité. Et c'est ça que Ghana a été. S'il n'y a pas de sécurité aussi, il n'y a pas de développement. Donc, est-ce que nous comprenons ça là-dedans? Vice versa. Si pas de développement, et nous peut-être bien, si pas de développement, pas de sécurité. Si il y a insécurité, si situation que nous vivons en Haïti, monsieur décrit quelque part pour nous. Vous comprenez? Nous avons un pays côté Kenegio, yo, pas voulu développer, et bien quelque part, pas de sécurité. Vous comprenez? Nous avons un pays côté Kenegio. Et encourager l'insécurité, quelque part, pas qu'à gagner développement. Et c'est ça la question. Ça, nous devons bannir dans la société, c'est clair. Deux doivent aller de pair. Intégrons cela dans nos combats pour que nous puissions nous battre et nous développons. Allons-y vers la production. Produisons suffisamment. Transformons sur place nos matières premières pour que ce soit bénéfique pour nos populations et en vue d'exporter cela. Je vous souhaite de très bonnes journées de réflexion sur le thème choisi, également sur le rôle essentiel de la jeunesse dans ce combat. Bonne chance à tous. Que Dieu fasse en sorte que tous ceux qui ont fait le déplacement retournent en bonne santé
chez eux et que nous puissions nous retrouver quand nous le souhaitons par la grâce de Dieu. La patrie ou la mort. Aïe, aïe, aïe. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Jeune capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, président en chef, alors commandant en chef l'armée Burkinabé. Et c'est lui qui t'a parlé là. Monsieur prend des exemples qui clair. Et monsieur dit en pile bagaille qui est extrêmement important et c'est la vérité. Et monsieur décrit réalité nous pendant qu'il a parlé avec peuple Burkinabé. Indirectement, monsieur parle avec nous. Et peuple haïtien, monsieur, que nous tendez. Bataille ça, pape Kakampi. Mande vive Guy Philippe pour mon espace commentaire. L'homme écrit ça pour moi. Vive président Guy Philippe. Vive Guy Philippe. Parce que faut qu'on ait des haïtiens qui ont caractère, qui ont sang révolutionnaire là. Alors, comment ça me dit là? Tout naturellement, Guy Philippe, ou elle, dans des schools, ou elle, dans des matchs, ou elle, dans prise de position. Guy Philippe, pas n'importe qui. Son élément qui est extrêmement pour nous, et comme peuple, et nous devons sécuriser Guy Philippe. Nous devons supporter dans toutes les démarches. Pas ça, M. Doula. Monsieur, répète le nom Jovenel Moïse, oui. Répète le nom. Répète assassinat président, oui. Attendez ça, non. Attendez. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça. Il est où? Il est mort. Ah, papa. Le salaud. On met les feux dans mon pays. Le salaud. On met les feux dans mon paradis. Le salaud. On met les feux dans mon pays. Aïe, aïe, aïe. Ils ont mis le pays à feu et à sang. Bête et méchant. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos enfants. C'est gros causé. Comment monsieur il encore? Alpha Blondie, comment il chante musique ça? Pas songer musique là. Et situation que nous vivons comme peuple, temps a évolué. Si qu'une sous bataille, monsieur qu'une a gagné plus d'outils pour nos batailles. Mais nous devons les épaules pour tout bon. Parce que responsabilité d'un pays, le en difficulté, c'est peuple. C'est peuple qui pour coller les épaules. Gonfler poignette. Fait tout ça qu'on connaît pour aider pays où sortir en situation difficile qu'il trouve. Nous devons batailler peuple haïtien. Assumer responsabilité, non. Pour nous permettre que Haïti sorti l'entrée difficile qui vous mettez là. Nous ka bataille. Même Jean, président Ibrahim Traoré dit là, l'image de tout peuple africain, c'est uni pour nous, uni nous. Mais m'a parlé tout peuple haïtien à nous unir nous mettez tête nous ensemble pour mener vraie bataille pour nous t'avoir libérer pays là. Monsieur parle en pile toujours. Ça sorti extrait l'intervention qu'il fait que me partage ensemble avec nous que grand pile amis qui voyait pour moi tout. Si nous soutenons plus moi grand pile m'gain plus et n'a pas tant pile qui choye et c'est là monsieur parle. Révolution yon pays, pas fait nan tete lang. Li pas fait nan achete figi, li pas fait nan gade moun, nan visage, nan peur, ou yo ka touyem, yo ka dis, yo ka... Pas gen moun ki pap mouri. Même moun ka pense pou l'touye moun nan, li tout la mouri. Est-ce que nous là? Même moun ka pense, ou yon ka fait pression, dit qu'il ka tuye, il ka rache, wap tuye, wap rache, wap boule, wap mouri quand même. Et fait sauf. Vire tout, wap mouri quand même. Tou le de bot, tou ye moun, wap mouri quand même. Fè sauve le, wap mouri quand même. Ou pap jam katouye tout moun sou la terre. Au niveau privé,
c'est stopper ou stopper dans pratique violence là et ou prendre décision pour que ou suspend tout le monde et autant des majorités à cap souffri commettre dans souffrance là pour bal possibilité pour continuer fonctionner violence ou en pas mener une pièce côté et pas gagne monde cap jambe peur même soit violent et pas jambe peur a toujours gagne monde qui gagne sens de responsabilité qui gagne quand son entaille cap camper devant cap du barrel l'argent qu'il y a pas jambe peur est-ce que nous comprenons a toujours gagne monde qui pas jambe peur même dit très bien Haïti qui n'a pas gardé là il va là pour compte lui. C'est haïtien esclave des salons qui met tête ensemble et des criminels de tout pays et des ennemis pays à détruire pays à moi même crois que haïtien qui a organisé pour nous retirer pays à l'entrée qu'elle trouvait là c'est qu'on y a le temps d'Ibrahim Traoré nous t'es content de monsieur nous votre content de monsieur et capitaine Traoré monsieur dit en pile causé monsieur parle en pile bagaille. Et que peut-être ennemi Haïti yo il doit pas gen courage pour tande li. Konze resta avec tu l'esclave de salon dans pays d'Haïti yo. Tant kou gari koni yo, il doit pas sentir confortable pour tande li. Et coulève cette tête là. Ça nous relève les neuf, coulève neuf têtes là, ça nous relève les neuf en famille alliée. Et vous n'avez pas le courage pour dire des vérités. Mais des fêtes, la parler quand même. Et la continuer à parler dans toute dimension. Nous prenons engagement, nous prenons responsabilité pour nous aider à Haïti sortir là. Nous connaissons. Conséquences pas petit parce que groupe moun ki mette la yo extrêmement violent mais de fait et pas pour tout temps gon côté ça privé l'a fini et ceci n'importe qui j'en l'a fini n'importe qui j'en l'a fini parce que Haïti pas capable continuer comme ça quel que soit le prix à payer criminalité hein. Ça qu'a fait l'exploration l'a fini. Reste avec yo, esclave de salon yo. Yo gen pou yo pas là. Parce que nèg yo méchant. Nèg yo criminel à l'extrême. On fait toute qualité crime. Nous tuer journaliste, nous tuer tout monde de bien. Et m'a dit non. Nous pas là pour tout temps. Gon côté ça privé l'a fini et ou met kwem l'a fini parce qu'on pas venir pour faire roche voilà et gros mobilisation annoncée pour jodi a déjà démarré en pile côté a chauffer et nous tendre en pile son cloche en pile citoyen prévoit après la rue. Nous pourrons attendre, nous pourrons voir si nous avons joué Pascal pour nous regarder comment ça y est dans Port-au-Prince avant que nous traversions dans l'autre chapitre et dans la cour pays d'Haïti. Et nous pourrons voir comment ça y est si nous jouons Pascal pour nous affronter, parler pour nous connaître comment Port-au-Prince y est pour journée et jeudi, sorti midi pour arriver là, nous y est là. Nous pourrons voir si nous avons joué Pascal, qui peut être pas facile parce que dossier qui est pour avec Internet en Haïti et son catastrophe, son bagage tête chargé, vous comprenez moi? Nous allons, si nous avons joué Pascal, mais qui peut être pas facile hein, parce que nous avons essayé de connecter avec là, nous allons facile. Connecter avec Pascal, pas vraiment facile dans le moment. Et mais la PC continue. Alors pour flash, pour média et alors pour affaires et politique États-Unis, en pile zanmi a voye ti message pour nous. Nous connaissons dossier n'a suivi de près parce que nous voulons informer nous voulons informer tête nous pour nous comprendre et pour nous faire parler ensemble avant.
sous dossier politique américain. Et li important pour nous faire si parler de lui. Alors ici aux États-Unis d'Amérique, dossier politique là chaud. Équipe républicaine a valé terrain bon côté pâle, équipe démocrate là a valé terrain bon côté pâle. Madame avec rivé vice-président Kamala Harris comme candidat officiel pour parti démocrate là, données politiques ont changé aux États-Unis d'Amérique. Madame Kamala Harris est quelque part fait peur avec les républicains. Nous voyons que le président Donald Trump a essayé de changer de discours quelque part. Madame Nan a montré que il va venir pour la paix. Et il a demandé officiellement débat avec le président, avec le candidat à la présidence républicaine. Que le président candidat à la présidence républicaine n'a pas fait back. Garçon, garçon, quand M. Baron peut tout. M. répond oui. Et M. demande l'autre débat encore. C'est mon l'autre débat encore avec son débat qui a continué pour mois de septembre là et n'a pas connait bien quoi c'est et qui est-ce qui a fait lui c'est un gros média américain yo qui a fait premier débat et l'autre média qui a continué c'est trois débats suivis monsieur que madame Kamala répond ou bien pour répondre n'a pas tant ça qui pour sortir là et dossier et dans débat ça parce que journée 10 septembre, ça prend le mauvais en pile. Pas le mauvais en pile. Pour tout haïtien qui est intéressé par, intéressé pour qu'on ait ça qui a passé dans la politique américaine, non? Eh bien, de fait, il y a un jour, 10 septembre, ça, l'heure là, sont les capes importants pour eux. Et tout américain, tout, plus passé 300 millions américains, déjà mobilisés, et ouais, ils ont mobilisé, sont là, ils ont fait, ils ont montré que ils ont intéressé pour entendre comment Kamala Harris par la fontée, et président, Donald Trump, c'est gros cause, oui. Et, ouais, madame, et déjà, madame, ça, gros monsieur de Doli, qui s'estime, monsieur, c'est un gouverneur, et son garçon, il est monsieur papa bon cœur, en bon créole, vous comprenez-moi, il est monsieur papa bon cœur, moun tout moun, et son nek qui fait preuve, lui, comme yon citoyen du monde, ok? On est qui défend tout moun, et bah, c'est selon couleur peau, ou pareil, comme ça, monsieur défend tout moun. Et c'est une longueur que, monsieur Gagné sous équipe alors on capable dire vice-président que dans notre choix choisir n'a suivre ça de près et c'est un dossier qui est intéressant parce que pas oublier politique États-Unis intéresser toute nation dans monde là de Gonzaï intéresser toute nation dans monde là vous doit pas intéresser par la politique monde comprendre ça qui a passé yo. C'est intéressant pour qu'on comprenne ça qui a passé yo parce que politique monde là Gonjalié et c'est le bagage tête chargée. OK, c'est le bagage tête chargée qui a mené nous à des résultats tête chargée. Ça se comprend. Normalement nous pour aller faire un petit temps de en plus une intervention que le président Ibrahim Traoré fait côté que monsieur parlé avec de responsables capable dit non et alors moun sa nou rele impérialiste c'est le tête chargé monsieur parlé avec yo et monsieur te gagné intervention que monsieur te fait que m'était pas d'agence avec nous m'a fait tout notre petit extrait là-dedans en attendant moi vienne avec maman paye pas pour nous et pour nous traverser dans dossier gang yo en Haïti parce que gang yo fait une sortie là qui paraît ta sortie nous va faire titre de dossier gang yo tout à l'heure en avancer président Ibrahim Traoré en attendant le dans discours avec peuple et on va regarder vidéo à même façon qu'il a pas adressé avec peuple burkinabé que alors monsieur c'est chouchou pour le moment en attendant monsieur je souhaiterais donc puis grâce à Dieu oui qui nous a montré ce jour et qui nous a permis de nous retrouver ici. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisés les Waïa, qui veillent jour et nuit.
vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé. Merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident les FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Attendez, oui. Et c'est ça que moi dis. Comprenez quelque chose. Écoutez, bah, reprendre ça encore. Et l'on pas parler, c'est manipulation qui prend terrain. C'est ça que l'homme on a vienne dire oh, il faut que Philippe suspende parler. Faut qu'il parle, comment on faut vous parler. Faut parler parce que l'on pas parler, détracteur yo, assassin yo, vicieux, corrompu yo, reste avec yo, esclave de salon yo, yo prend espace là pour yo. Yo occupe l'opinion. Guy Philippe faut qu'on parle. On doit continuer parler avec peuple. Très intéressant. Pas fait dans Guy Philippe. Jour et nuit. Utiliser pour ne pas parler, puis aïe. Vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé, merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident les FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Comprenez quelque chose. Le père de la révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara. Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci: l'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est chassé de la classe, il revient toujours. Et je me souviens qu'à son adresse à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme, n'allez pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés et un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Cela veut tout dire. Je m'en vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'impérialisme se comporte. Après l'assassinat du père de la Révolution, justement, le régime qu'avait voulu l'impérialisme s'est installé. Dans les années 90, vous vous souvenez tous d'un programme qui nous a été imposé, le programme d'ajustement structurel. C'était qu'un plan. Je vous explique. En mettant en place ce programme dans nos contrées, vous avez remarqué au fil des deux décennies qui ont suivi, toutes nos usines qui étaient en place ont été privatisées. Notre économie a été déstructurée. Attendez, oui, même 4 figures pour nous en Haïti. Ils détruisent nous. Ils volent, ils conseillent, ils restent avec politique. Ils ont mis en place un système néocolonial, un système de capitalisme sauvage qui ne profite qu'aux dirigeants et leurs amis, un cercle restreint. Du côté des forces, ils ont tout fait pour déstructurer nos armées. Ils ont dit de baisser le budget des armées, de ne plus les équiper, de ne plus s'entraîner.
ce qui a été fait dans la sous-région. Nos armées ont été réduites en néant. Ils préparaient la chose. Pendant ce temps, les grands pays comme le Niger, le Mali ont connu une résurgence de ce qu'ils ont appelé des rébellions. Des séparatistes venus de nulle part ont tenté de diviser ces pays. Ils n'ont pas réussi. Mais l'aboutissement de leur plan était qu'à partir des années 2010, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que le terrorisme s'invite dans nos terroirs. Effectivement, on l'a vu naître 20 ans plus tard. Des individus ont été choisis et on leur disait juste « Allez-y les combattre, leurs armées sont déstructurées, nous avons travaillé à ce que cela arrive. Ils ne pourront jamais vous arrêter et vous allez les imposer ce que nous voulons. » Ces individus ont recruté de jeunes innocents, ignorants, dans nos différentes campagnes, à qui ils injectent la drogue et les amènent à tuer leurs compatriotes. Et le mal est né. Comment est-ce que ces individus ont été entretenus? N'oubliez pas, ici au Burkina Faso, on hébergeait des chefs terroristes. Ça a été bien planifié. Et comment y arriver? Lorsque ces terroristes vont se lancer, il y avait quelqu'un qui pourrait peut-être intervenir à la faveur de nos États. Je nomme ici le feu général Muammar Kadhafi. Il fallait l'éliminer. Et un beau jour, ils sont tombés sur lui. Ils l'ont éliminé. Ils ont encore eu dans ce plan l'ingénieuse idée de mettre toutes les sources d'armement et de munitions à la disposition de ces terroristes qui devaient donc déstructurer notre sous-région. Le plan était parfait. Et dès lors, ils se sont mis en ordre de bataille. Ils ont commencé à descendre vers le sud. Nous nous souvenons encore, lorsque le régime en place à Bamako en son temps a fait appel donc à des forces étrangères. Il ne fallait pas plus que quelques heures qu'ils se déploient. C'était bien préparé. Ils se sont déployés et ils ont fait semblant d'arrêter le terrorisme. Et immédiatement, nous avons vu l'installation de plusieurs forces étrangères au Mali pendant 10 années. Mm-hmm. Pendant ces 10 années où le terrorisme était contenu au nord, s'est invité au sud et le Burkina Faso a été infesté à partir de 2015. Tout était bien planifié et bien pensé. Bien calculé. Oui. Je me souviens encore quand nous étions à Ber, au mm-hmm. nord de Tombouctou. Mm-hmm. On voyait donc des forces spéciales de ces pays-là venir nous dépasser, aller plus en profondeur. Et à leur retour, ils étaient tout rouges. Ils ont des petites machines de foreuse et bien d'autres équipements de géologie que nous contemplons. On se demandait où est-ce qu'ils gagnaient cette terre rouge, parce qu'en patrouillant autour de Ber, nous n'avons pas de terre rouge. Peut-être qu'ils creusaient, ils sondaient, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Lorsque des gens qui combattaient sur le terrain ont fait aussi le constat, ont décidé à un moment donné de prendre les responsabilités et les voilà sortis de nulle part. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. D'accord. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée.
Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques, ce qu'ils ont appelé des conseils militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire. Ça n'a pas été sans conséquence, parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Mm-hmm. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Oui. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en Burkinabé. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Oui. Effectivement. Oui. Lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Yeah. Deou, Tinakoff, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. La bataille. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à craindre. Ah, clair. Très bien. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous soyons indépendants.
Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif. Voilà pourquoi nous avons mis en garde pendant plus d'un an les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Jamais. Pendant tous les réunions. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Clair. Clair. Revenons à notre fameuse CEDEAO. Depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO, les esclaves de salon ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Dieu merci. Dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient, qui était donc prêt pour l'évangile. Aujourd'hui, réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies, oui, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, justement, tout le monde a droit à la parole. À la parole, très bien. Et je pense que les Wayiens sont les premiers à comprendre. Oh, monsieur! Mais les deux, et c'est ça la question. Eh bien, ici, qui t'aime quoi? Qui t'aime promotion d'ordre? Le pour nèg yo te détruit Haïti, hein? Yo te gen ti groupe média pa yo pou te mette, média gang yo, média terroriste yo, pou te mette là pou fè message pa yo a passer. Le pou yo te assassiné président Jovenel Moïse lan, réseaux sociaux a pas tant vogue Jean Lanvioc la. Puissance que nous gen la nou pa ganyèl. C'était Radio Caraïbe Jean Mona, Radio Zénith et Ronnie Colin, Lini Joseph Osnel Jean-Baptiste Morin. C'était Radio Tilili, c'était comment relé Radio que nous connaissons resté avec Tempe Jean-Villio, qui t'a détruit Jovenel Moïse. Mais zam ça qui est là pour le moment. Qui c'est réseaux sociaux, la bataille. Avant mon ravette, nous allons parler avec orientation sexuelle au monde, non? Mais mon ravette qui a caché derrière tout drap noir, qui pensait que le Kavin attaque les réseaux sociaux, oh oui, fuck bon commission pour que le premier ministre mette sous pied pour régulariser question la presse en Haïti. Ou t'as mouru le jour même, salope sale. Ou quel est fou? Un outil que peuple a gagné pour faire révolution là, ou pensez qu'on va venir utiliser pour comme si vous dérangez moun là-dedans, ou t'as mouru le jour même. Et peuple, ça t'a mangé ou? Parce que outil peuple a gagné, ou t'as pensé là, ouais, bon, pas citer non, non, salope sale. Tout le monde voit qu'est-ce qu'il a parlé. A volé sur deux garçons, toute la Saint-Journée. Et a vint, oh oui, faut qu'il régularise les questions réseaux sociaux. Nous t'as disparu dans le pays ça, quand tu voles. Nous pas qu'on a gagné là. Nous qu'on a joué qui est là. Ces outils qui ont libéré le pays, là, oui. Ou attaquer, ou attaquer, ou attendez, ou attaquer la vie, nous. Ou attaquer la vie, peuple haïtien. Il a détruit n'importe qui moyen. On avance. Chacun peut faire son analyse sur une situation. Salon. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO. Et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État, putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO, pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur donc, de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc, à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement
la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes, où était cette force lorsque des milliers de Maliens et de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmes lettres qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. Combattants, justement. L'armée nigérienne est guerrière. Guerrière, justement. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Période. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer
et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES. Retenez que il n'y a pas de peur, parce que en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Nous sommes capables. Nous sommes capables et nous sommes très bien capables. Nous avons fait beaucoup d'expériences cette année et je peux vous assurer que sur le volet alimentaire, le Burkina peut être autosuffisant. Et nous avons de braves paysans. Nous mettrons tout en œuvre pour que nos paysans puissent labourer leurs terres et cultiver dignement. Et je mets au défi quiconque doute de cela que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. Parce que nous pouvons. Sur l'industrialisation, plusieurs projets sont en cours pour 2024. Nous n'allons pas les citer ici, mais sincèrement, nous allons tout faire pour que ces projets voient le jour en 2024. Lorsque vous prenez l'économie, certains, quand on les écoute, ça fait pitié. Ils n'ont même pas le courage de faire comprendre au peuple qu'il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO. Parce que tout ce que nous faisons venir vient de l'espace hors de la CEDEAO, nos importations pour la majorité. Et tout ce que nous exportons part hors de la CEDEAO. La malhonnêteté intellectuelle de certains font qu'ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils sont des esclaves de salon. Ils ne peuvent pas vous dire ça pour que vous soyez confiants. Mais je vous invite à rester confiants, sereins, imperturbables, parce que nous pouvons. Nous pouvons avoir cette indépendance tant sur le plan alimentaire, tant sur le plan industriel. C'est possible et nous sommes lancés sur ce chemin. Donc, les propos qui tendent à vous faire peur, qui tendent à semer la panique, il faut vous en départir. On se mettra au travail. Et nous allons y arriver. Revenons donc à un aspect général dans l'Afrique. Et intervention, monsieur Yo, ça que fait toujours, dans les temps pour que moi entende, sans que je ne intervenir sur Yo, si vous ne prenez pas le temps pour entendre Yo, Jean que monsieur parle, si vous ne pas couper, peut-être que vous ne doit pas comprendre ça me ça dire. Vous ne doit pas rentrer dans vous-même. Et m'a dit honnêtement, monsieur sont vrais révolutionnaires et monsieur sont vrais comme Simdadjo, petit Thomas Sankara capable dire comme ça. Monsieur sont un vrai africain, monsieur sont vrai jeune garçon qui révolté et qui ouais peuple qui vivre dans conditions qui difficiles et lit passer là dans le tout et monsieur dit, la pral trace son exemple. OK? Dans sa fait politique pays, la pral prend contrôle pays avec peuple et peuple se bat monsieur paysan. Peuple a décidé pour bat monsieur paysan pour 5 ans et aussi elle. Je dis monsieur après 5 ans na garder qui ça n'a fait encore, mais légalement ou là pour 5 ans. Monsieur gagne contrôle paysan. Monsieur gagne toute force légale dans pays avec elle. Là où ici la Chine a supporté monsieur, technologie a pas avancé là ca monsieur. On dit monsieur qui contrôle tout territoire et monsieur contrôlé. Que son bagaille bouche monde dans paysan. Qu'est-ce qu'on nèg vinn faire déclaration ka touyer président? Oh oui, président après telle date l'a touyer ou pas ka faire ça l'autre bord. Il y a fan ou en deux. Pas faire. Parce que nèg yo décide tout travail pour ces pays. Pas oublier, la France détruit tout petit pays africain yo.
La France est détruite, c'est soucé. Pour la France pas gèle la caille. Qui ça fait la France qui a plus gros réserve d'or? Il y a un pays qui a plus gros réserve d'or la caille. Côté junior. Côté junior. Là, la font compétition. Ou ka gèle la France? Et la France qui gèle l'or? Vous comprenez? N'a bêtise avec ça, pas qu'un jouet dans ça. Mais c'est son vrai révolutionnaire. Moi, je fais notre délire avec son Guy Philippe. Et bien après, c'est deux mondes qui semblaient. Ou après, c'est deux mondes qui semblaient pour comprendre très bien, qui interroguaient, n'ont supporté et peu poussé de Guy Philippe pour Guy Philippe arriver côté bolivien pour nous faire vraie bataille de moi. Comment Guy Philippe à l'appareil? Allez ça. C'est ou cap crasé qui empêchait monde travail, qui empêchait au gouverner, gens ou doit gouverner, ou t'es annoncé ou à parler jusqu'à mois d'août. Effectivement, nous sommes mois d'août. Qui sa observation aye, le constat, qui j'ont gardé déroulement sa cap déroulé là avec le conseil présidentiel, le premier ministre Garry Conille et PIA. Comment vous avez gardé ça qui a passé? Soit vous avez gardé, soit bien tendu samedi depuis avril, et le nègre a parlé de conseil présidentiel, de formule CARICOM, nous avons déjà dit, mais qui j'en pas le fini. Parce que j'en étais fait là, depuis là, j'étais fait là, tout le monde, ouais. Que son équipe si mafia, si intelligent, si bluffé, si apatride, qui mettait ensemble avec l'international pourri, et puis mener Haïti côté de là. Donc c'était à prévoir, tout le monde te connaît, c'est là nous allons. Et nous te dis, c'est là nous allons. Ouvre 9 nègres dans le parti politique, tout nègres quelques temps au TDO, ils ont rasé, ils ont besoin d'argent, ils ont tchoul, ils ont pas grand monde, ils ont pas passé, ils ont fait toute vie aux politiciens, ils ont pas qu'à aller dans l'élection même pour Azek, ils ont pas qu'à passer. Non, ils ont pas capable. Donc, Kounia, ils ont joué dans l'international aussi corrompu, pourri, qui seul plan c'est affaiblir l'institution Haïti, craser Haïti, pour le piller richesse, nous, qui offre yo magistrature suprême. Donc, neuf intelligences à rentrer, yo prend pouvoir, yo nommé Choul Blanc encore, premier ministre, et puis qui sont dépensés, qui plan dépensés. Yo soi-disant, yo bien content entre yo, et puis on a toute combine. Rencontre, réunion, 2-3 heures du matin, pour séparer, partager, piller, craser pays. Et ça, sous yeux complices internationales là, et ça qui fait mal là, c'est sous yeux et complices presque m'gab d'il jeunesse haïtienne là. Pas même pas comprendre. Yeux complices jeunesse haïtienne là? Oui, jeunesse haïtienne là. Haïtienne, comme vous voulez dire que tout ça qui a passé là, c'est parce que jeunesse t'a croisé, bras l'a regardé faire passer. Justement. C'est ça m'a dit depuis nous commençons mouvement révolution. Depuis le premier jour, je parle de révolution, moi je dis, son révolution pacifique. Et c'est sous d'autres peuples là. C'est peuple là qui pouvait faire. Nous cap montrer le route là, nous cap dire mais ça pour nous faire. Mais faut que jeunesse ça prenne conscience. Regardez pour Bangladesh, n'est-ce que une semaine, yo tué 300 jeunes. Mais ça pas empêcher que hier soir, John yo prend bureau premier ministre. Yo forcé le démissionner, yo forcé système n'a fait pas. Bangladesh. Oui. Non, une semaine, yo tué 300 jeunes. Regardez jeunes. Mais qui ça qui occasionné et passivité ça la jeunesse haïtienne et sénateur Guy Philippe. Moi c'est pauvreté extrême là. Ah oui. Désillusion et politiciens une après l'autre plus corrompu que l'autre plus mal que l'autre vient dire que jeune parce que pas gain repère encore il pas aucun monde confiance encore il pas même fait tête yo confiance yo apprendre nous pas fait tête nous confiance yo apprendre nous que Haïti son pays qui fini d'ailleurs yo ouvert chaîne yo prend tout petit tête à penser yo ou du moins majorité là-dedans yo il y a le Chili il y a le Brésil il y a les États-Unis il y a le Biden. Yo drainé tout son pays. Alors là, sénateur, est-ce que nous quatre dit c'est jeunesse qui est responsable? On dit là, c'est des monde kidnappé. Yo a décrit situation, c'est des monde kidnappé. Yo prend un complot et yo là dans lit. Si ça fait yo pas même on dit là même pas de tête pas yo. Moi même, je dis à moi accusé jeunesse parce que c'est lui seulement qui a sauvé. C'est jeunesse ça, c'est peuple haïtien en général seulement qui a changé Haïti. En attendant, moi, je m'étais des Haïtiens qui parlaient de révolution, de Afrique de l'Ouest, de bagaille. En Afrique de l'Ouest, par exemple, Thomas Sankara. Traoré, il y a une armée qui est dans le pays, lui. Oui. Nèg Niger, nèg Mali, il y a une armée qui est dans le pays, il y a une police nationale qui est dans le pays. Ici, il y a une police nationale vendue. Ou une force armée d'Haïti pourrie et vendue. Force armée pourrie et vendue? Ça va blesser. Soit on brille, on va regarder là. Il y a combien de fêtes, non? Les noms sont déjà. Attendez. On explique ça va blesser dire pour autant. Pas de police qui crée mais Haïti. Oui, oui. Qui a sacrifié vie pour Haïti, non? Ça va blesser dire pour autant. Pas de militaire qui sacrifie vie pour Haïti, non? Mais comme institution, comme on cap dirige institution, ou état-major et force ça, ils sont pourris. Et pas de monde qui a assez force dans force ça pour dire non. Des autres arrivent. Comment comprendre? On est libre même qu'à bailler l'aide de créance comme ambassadeur, la faire rencontre avec le chef Lamro, mon pays, ambassadeur, la faire rencontre avec le chef Polissou, la parler de la définie politique, c'est lui ton pays, un pays souverain. Et puis pour un chef Lamro, parce que ça est normal.
pour ambassadeur pour même présenter l'aide de créance qui a ballon. Pour chef de police accepter pour le dire ça c'est normal. Et qui paye une affaire? Comment la sécurité? Sénateur, sénateur, gon l'autre aspect pour nous là tout. Et en pile fois bon pendant 5 années qui passé là yo, moun yo pas qu'à prendre la rue mais en pile fois c'est pas faute yo non. Mais là regardez pression qui gagne en deux quartiers populaires avec monsieur Kazam yo. Moun yo difficile vraiment pour font lever campé. Ajouter à cela, les moun yo récit fait sortir ya, nous recommande la police cité yo. Exactement. Mais c'est ça pour tout à l'heure là. Attendez, ambassade américaine, m'pa dire l'international parce que international est vague. Moi dit nommément ambassade américaine. Il contrôle les forces armées d'Haïti. Oui, il contrôle les forces armées d'Haïti, il contrôle la police nationale, il contrôle ti monsieur Axamio. Ou après que chaque fois après le combat dans l'ONU. Attendez, yo gè contact continue avec. Pas qu'il faut qu'on gabine pour pause. Moi dit bon ta qui est-ce qui forme yo? Moi dit madame Laline qui est-ce qui forme yo? Côté aux jeunes âmes. Yo fini utiliser une équipe jeune, yo profiter de vulnérabilité jeune ça. C'est du jeu là sénateur, gang ça qu'on gagne à travers tout pays là, c'est les États-Unis même qui forme yo, qui ba aux avec qui rend opération de lui. Moi dit ambassade américaine, moi dit et me camper derrière, il m'a expliqué. M'a expliqué que dans dernier 30 années ça yo, ambassade américaine assurer que Haïti toujours monde qui a gouverner c'est tout lié. Yo craser toute institution yo. L'armée d'Haïti il crase Téléco, il crase Naol, il crase le force au fond ajustement structurel, il force mettre pays à genoux ou accepter le comme peuple. Il monte sous. Il vient mettre en situation que chaque grain nèg qui vient président, premier ministre ou bien directeur général sont gros voleurs, un gros chat, un gros tigre, t'as pillé seulement. T'as pillé seulement, c'est avec vrai. Avec intention pour quitter Haïti, à vivre à l'étranger. À vivre à l'étranger, c'est vrai. OK, là on va vous dire que ambassade américaine yo tout connaît côté y a retourner après au fin travail. Non, on va vous dire que ambassade américaine pas connaît que toute la corruption qui a gangrené conseil et présidentiel là c'est vrai oui. Il pas faut dire pas connaît que nèg yo dans corruption oui. Ou j'aime te dire rien hein. Au contraire, j'ai l'impression là mais on sale. Laisse ça au plus bon partenaire et les États-Unis, les mon sale. Mais c'est ça yo vle. Yo vle pour des dossiers sous dos pour les autres faire à droite pour faire à droite, l'autre faire à gauche faire à gauche. C'est ça que fait, il y a toujours une bataille pour pas que aucun nègre sérieux privé dans tel pays. Aucun nègre qui a proposé nationaliste, li, l'état comme François Maniga, il y a fait crasso rapidement. Parce qu'il n'y a pas voulu ça. Il n'y a pas voulu Haïti sauter en salaire là. Puis il continue à piller, puis il continue à faire bien l'institution, puis il continue à faire Haïti à voter. Ok, qui moun qui baille Edgar Leblanc mandat? Qui peuple qui te vote, qui baille le mandat pour aller voter contre Venezuela? C'est des respectants. Qui moun qui mandate-t-il? Au nom de qui est-ce? De patron, de maître qui mette le nom pouvoir que le patron gagne? Même gaz avec le patron gagne. Alors c'est ce même Edgar Leblanc, le président du conseil, qui rive l'autre bord à Grenade, dans CARICOM, qui dit tout va bien, qui expliquait à l'international là, tout va bien marché jusqu'à présent. Ah, la vie au commencé, la vie au premier pays. En attendant, et téléphone, il y a gagné pour 7 millions, 8 millions de gouttes par mois, de chaque grain. Il y a une belle machine, il y a un cobre pour le deuxième caille, il y a un cobre pour le maîtresse sur le bagage. Mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est ça lié pour les gens. Il n'y a pas de venir là, il n'y a pas de pays. Là, il ne peut pas voter, il n'y a pas de faire plaisir. Il n'y a pas de faire patron au plaisir. On essaie de regarder, sénateur. Là, nous disons ici, il y a plusieurs invités. International, là, bon, même moi, les droites d'ambassade américaine, il y a plusieurs possibilités devant, il y a plusieurs propositions. Nous rappelons proposition PAO, tu as également cassation qui sous table là, également et conseil là. Mais ces conseils ça ont été by bénédiction et nous qui embarqué. Là nous dans 3 mois plus tard, jeudi à conseil ça nous sous table dit tout à l'heure et me penser tout le monde qui attendait qui regarder ça qui a passé là, le bilan c'est zéro. Et qu'on somme des bagages côté déjà dit qui clair nous là dedans là n'a vivre aujourd'hui. C'est scandale sous scandale. Si on a regardé ça qui passé avec question BNC, côté 3 conseillers impliqués directement dans mandé, dans fait marchandage avec un président de conseil BNCA pour bailler 100 millions de gouttes pour le rété, gagner plusieurs démarches qui ont fait, non, ça qui a passé au commencement. Je dis à le conseil présidentiel avec international là, qui ban nous force multinationale ça, qui ça nous doit comprendre, qui ça nous a dit de yo finalement après 3 mois, qu'on t'a fait constat ou t'a observé. Moi-même, moi, te dis, je te promets que, une fois que le pouvoir tombe dans la main, dans la révolution, dans 90 jours, nous avons la paix, la tranquillité. Et nous campons derrière ça. 90 jours. Mais pour gagner la paix, la tranquillité, un pays supposé payer prix, toutes les autres que tu as accepté, fait la caille. Justement.
Yo fait 5 6 ans y a armé jeune garçon avec jeune fille. M'bat la moi-même et dans prison de. Mm-hmm. Mais t'es kidnappé. Mais fait 5 6 ans y a armé jeune garçon jeune femme. Dans jeu société on pas dit rien. Même l'en plein font petit plein. Madame Laline vinil dit faut que tout le monde mette tête ensemble. Mm-hmm. Nous pas dit rien, c'est madame Laline, tout ça le dit, oui. C'est l'ONU, c'est BINU, c'est bagaille, c'est mm-hmm. normal. Mm-hmm. Nous dit non, nous sonnons sonnette là, nous dit non, on pas cap prendre ça encore. Bon gens pour nous sortir. Dans l'insécurité, à bon jeu pour mener la paix, l'école va l'ouvrir. Comment tu m'en vas à l'école? Mon local, je dis à plein, il n'y a pas qu'à venir, il y a une équipe bus, il y a doué la banque, il n'y a pas qu'à faire commerce, parce que l'État va pas permettre de traverser et qu'à fou grisser, puis à faire le job. Tout le monde, depuis combien d'années, il va accepter. Malgré que je dis bon plan, bon jeune qui a sorti, blanc, dans tout arrogance, dans toute indécence, pour me dire, parce que c'est indécent, très indécent. Il paraît avec solution plus pas bon. Nous des problèmes avec cassation. Parce que cassation, comme on fait la justice dans le pays, il n'y a pas de mot dans toutes les autres. Il n'y a pas de mot. Il y a en silence. Donc, il y a complice de des autres. Il y a quitté blanc en fait des autres. Là. Oui. Si le pouvoir judiciaire a été campé, il a dit ça sont des autres liés, ça va rien doit faire. Il y a le pouvoir pour ça, pour le dire ça. Il y a le pouvoir pour le faire, mais il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire parce que il y a un visa, il y a un petit bagage qui intérêt dans notre pays. Donc, on arrive dans un pays en déconfiture comme ça. C'est ça le peuple-là qui a retiré dans sa nia là. C'est ça le jeunesse-là qui a pris responsabilité. Armée de courage, ça qu'on a fait Bangladesh, de qu'on a fait Sri Lanka, et puis pour nous changer. Puis, non, pas mais sénateur, qui sont pensés capables de faire là pour nous continuer à sensibiliser le jeunesse-là pour nous dire, il est le temps pour le réveiller, le prendre des selles en main, qui sont pensés que nous devons faire là? Nous avons fait un gros mouvement de mobilisation dans le pays de décembre à aujourd'hui pour nous capoter. Système là. Okay. Et nous avons capoté quand même. Il prend du temps. Mais nous faisons un gros bagage de côté de pour nous arriver là. Mais il y a tellement fait jeunesse nous. On peut regarder pour être une dizaine, une douzaine villes qui étaient vraiment oui. bataille. On prend Wanamet, on prend Okai, on prend Miragouane, on prend Jérémy, on prend Tigouave, on prend Grand Gouave, on prend Belance, dans le sud-est, on prend Gonaïve. Mais une série de villes, nous y aurait été à mof. C'est comme si tout bagarre en forme bouillot, depuis au lever et jeune garçon en Haïti. Depuis le lever, je viens en petit homme plate, il vient en bière, et en forme. C'est fini. Problème, il va aller l'effet petit homme dans la tête, il va chercher un autre patron. Depuis le lever, il vient quelques mégabytes là pour faire TikTok, il est fini. Oui, depuis le lever, il vient en TikTok, il vient en TikTok, il vient en bagarre, il sourit, ça n'a pas de problème. Après, plein, c'est pays, tout le monde. Non, c'est pour jeunesse là, comprendre, il y a une responsabilité, je dis là. Faut que nous prenions responsabilité, nous. Dès qu'il dit c'est jeune, même j'en mets jeunesse Bangladesh, la souffle, jeunesse Sri Lanka, il faut que jeunesse haïtienne en fait, il faut que nous prenions un exemple. Attendez, nous attendons tout cas de corruption qui est dans le pays. Qui ça en premier ministre, avec un conseil de conseillers, a fait à 2h, 3h du matin, il y a un bureau, il y a un bureau, entre eux, il y a boîte à fia, il y a 20 pays, jusqu'à ce que vous bataille, il manque de pays. Qui ça? Qui est-ce qui mandate trois conseillers pour aller parler à un directeur de banque? Et va dans le bureau, qu'est-ce qui va au mandat ça? Puis dans la chambre d'hôtel, puis il y a un confiolo. Et puis il y a un décent pour Abindou, bah au preuve qui ça? Preuve qui ça? Nous ne pouvons pas parler de preuve. Non, bagaille corruption ça, qui bagaille preuve y a dit. Et puis il y a des bagailles qui tombent sous le dos des gens qui ont dirigé un pays. C'est pour nous démissionner. Il y a la décence pour nous dire, monsieur, nous démissionner. Nous ne pouvons pas inculter ça même. Président Trump. Nous ne pouvons pas diriger, nous ne pouvons pas inculter ça même. La mais femme de César. Il a tiré sous Trump. Nous avons dame et secret service. Il a démissionné. Ouais. Il y a tout gros cas corruption dans le conseil. Et pour le conseil, là, en bloc, démissionné. Bah, il paye en chance. Mais ce qu'on a fait là, il a proposé la bataille. Ensemble, menti. C'est l'élection ou pas faire. Il n'y a pas souffert l'élection. Élection ou pas faire? Non, il n'y a pas fait élection. Ah bon? En bon, garantie ça, il n'y a pas fait élection. Il n'y a pas fait élection. Suivez 14 voix. Vérité. Soit disant, vous avez une élection. Qui base, qui serait fait pour gagner élection? Qui projet, qui plan, c'est bataille entre eux, pour imposer que blanc campé derrière eux, donc pas une monde qui a mis des Est-ce que vous pensez que c'est de manière voulue ou bien c'est planifié? Oh, même oui, son plan machiavélique. C'est plan machiavélique blanc avec toute complice, en dedans, cap van Haïti, cap crasé Haïti. Ou après que le mandat CPA presque fini, soit disant, en 2026 à février, qu'on va arrêter seulement avec Gary Conny, qui lui-même va faire l'autre transition, tant qu'Ariel Henry, pour continuer son plan. Son plan pour craser, pour payer VIA, pour réduire VIA et mettre VIA à genoux. Ça, c'est long, sénateur, qui fait même nous, il n'y a pas rentrer dans la question élection du tout, si c'est un plan. Soit vous expliquer là. Pardon? Qui ça qui explique que vous ne pouvez pas faire route élection? Parce que vous ne pouvez pas contrôler le monde qui est populaire en Haïti.
yo pas vle que pouvoir tomber dans même moun que yo pas contrôler. Blanc c'est gros peur, bleu c'est ça. Parce que si gros moun qui remet Haïti vrai, qui rive président, qui rive dans tête pays, yo pas obligé de bailler une série d'explications, par exemple. Depuis sous l'air, on a volé 7 avions et l'armée d'Haïti, crasé institution PIA, crasé PIA, assassiné président Jovenel Moïse, dans figure tout le monde là, et yo va l'obliger de bailler explication sur bagaille tout pillé. Tout autant yo pour qu'on contrôle le monde qui peut populaire, nèg yo a pillé terre nous dans zone truitier, bon côté que antenne télé nationale yo. C'est pas monde qui dit, c'est moi quoi avec vieux moi. Et me faire rapport sur lui, il me commande en police. Donc nèg yo tout pillage a fait depuis combien de temps ça et pillage. Pourquoi ça en français? Là, vous prenez des nègres armés, par exemple, vous voyez là-bas la vie, nègres, ou par contre, pour qui ça y a boule caille? Avez-y, y a assuré que vous ne pouvez pas tourner dans la zone ça. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas comprendre, nous pensons que c'est fou. Non, vous comprenez? Mettez yo. Parce que l'insécurité a gagné, mettez en Haïti. L'insécurité a gagné, l'insécurité a gagné. L'insécurité a gagné, mettez. Lève le monté volume, le monté volume. Lève le descend volume, le descend volume. Mais l'insécurité a gagné, mettez. Donc tout autant sénateur yo poko pour me retourner sur ce que je dis là gen contrôle moun ki pi populaire dans pays a nous fait carré dans problème nous pas une question élection du tout pas créer condition pour ça jusqu'à ce que assurer au moun ki populaire c'est yo gen contrôle yo yo pas capable accepter tout autant yo poko assassiner éliminer et ouais on genre réduit influence moun ki pi populaire dans pays yo yo pas prendre chance faire élection là yo pas faire du contrôle pays. C'est ça qu'on fait dans tout le pays. Pour qu'ils pensent que vous êtes dépatché à la République Congo comme ça. C'est pour la même raison. Donc c'est nous-mêmes haïtiens qui prenons responsabilité. Je dis à la pour nous dire nous ne pouvons pas tolérer pour ne pas aller plus loin. Faut que nous... Il ne pas aller plus loin. Quelque chose, je sais, il faut qu'il campe. Et c'est dans ce sens-là, nous disons que l'homme, alors l'homme saute passé et capitaine Ibrahim Traoré, qui est président de la transition dans le pays Burkina Faso, nous faut entendre Guy Philippe. Nous faut ouais, même Lilan, même garçon, même Fouglan. Même conviction, même détermination. C'est africain, non, oui. Merci à tout le monde. Nous devons casser pour la édition. On a gardé ça dans la rue. On a gardé ça dans la rue. Pour nous contrôler comment la rue a levé. Et comment mobilisation a eu. N'importe où, Prince, pour aujourd'hui. Kembe là, même nous en pile.